Grammaire en dialogue. Niveau intermédiaire. Copyright Clé Internationale 2007. Chapitre 1. Quel goujat ce Léon! Bonjour Léon. Quelle politesse! Tu parles, c'est Léon. C'est un vrai goujat cet homme. Ah bon? Tu ne peux pas imaginer. Quand il arrive en réunion, il s'assied sur la table, généralement sur mes dossiers. Il n'éteint jamais son portable, qui sonne toutes les deux minutes. Il interrompt tout le temps la personne qui parle. Il conclut toutes les réunions par le même commentaire aimable. Encore une réunion pour rien. Et son chef ne dit rien? Il ne réagit pas? Bernard? Il se tait, c'est tout. Il attend que ça passe. Ah bon? Bah oui. Il n'intervient pas beaucoup dans les réunions. Il laisse faire. Je pense qu'il se sert de Léon pour faire le travail. Le sale boulot, comme on dit. C'est vrai, il y a beaucoup de rumeurs au sujet de Léon. Tout le monde le fuit comme la peste. Paul, par exemple, ne peut pas le sentir. Je sais. Mais ce n'est pas une preuve. Paul se plaint tout le temps. Eh bien, nous sommes gâtés avec nos collègues. Oui. Et je m'aperçois que nous sommes dans une équipe qui ne fonctionne pas bien. Heureusement que nous sommes là, hein, toi et moi. Oui, mais je crois qu'ils sont en train de recruter une nouvelle personne. Je sens que ça va arranger les choses, j'en ai l'intuition. Quelle heure il est? Midi et demi? Je meurs de faim, tu viens déjeuner? Pas tout de suite, je suis en train d'imprimer un rapport. Vas-y, je te rejoins à la cantine. Grammaire en dialogue. Niveau intermédiaire. Copyright Clé Internationale 2007. Chapitre 1. Quel goujat ce Léon! Bonjour Léon. Quelle politesse! Tu parles, c'est Léon. C'est un vrai goujat cet homme. Ah bon? Tu ne peux pas imaginer. Quand il arrive en réunion, il s'assied sur la table, généralement sur mes dossiers. Il n'éteint jamais son portable, qui sonne toutes les deux minutes. Il interrompt tout le temps la personne qui parle. Il conclut toutes les réunions par le même commentaire aimable. Encore une réunion pour rien. Et son chef ne dit rien? Il ne réagit pas? Bernard? Il se tait, c'est tout. Il attend que ça passe. Ah bon? Bah oui. Il n'intervient pas beaucoup dans les réunions. Il laisse faire. Je pense qu'il se sert de Léon pour faire le travail. Le sale boulot, comme on dit. C'est vrai, il y a beaucoup de rumeurs au sujet de Léon. Tout le monde le fuit comme la peste. Paul, par exemple, ne peut pas le sentir. Je sais, mais ce n'est pas une preuve. Paul se plaint tout le temps. Eh bien, nous sommes gâtés avec nos collègues. Oui, et je m'aperçois que nous sommes dans une équipe qui ne fonctionne pas bien. Heureusement que nous sommes là, hein, toi et moi. Oui, mais je crois qu'ils sont en train de recruter une nouvelle personne. Je sens que ça va arranger les choses, j'en ai l'intuition. Quelle heure il est? Midi et demi? Je meurs de faim, tu viens déjeuner? Pas tout de suite, je suis en train d'imprimer un rapport. Vas-y, je te rejoins à la cantine.